Прогресс. Природа к человеку. Человек к машине. Дорога в будущее. Аскорб. Сегодня Аскорб – развивающийся организм, и ей нужен настоящий лидер. Благодаря доктору Алистеру Смайлу. Ah, mais c'est bien sympa tout ça. Ouais, c'est très sympa. Allez, salut à toi, petit gamer, c'est Revilo, et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Alors, ce sera une... En fait, ça va être une vidéo un petit peu où je donne mon avis, un peu vidéo test, ça va être une vidéo spoil, je le précise. Oui, il va y avoir du spoil, je le précise tout de suite. Et je crois que vous l'avez reconnu. Ouais, je pense que vous avez bien compris. On se retrouve sur The Amazing Spider-Man. Donc The Amazing Spider-Man. Je sais pas comment vous le prononcez. Hein. Vous pouvez le prononcer de manière ouais stylée. Ouais, je sais parler l'anglais. Ou alors vous le prononcez d'une manière plutôt français, le français moyen. Bref. Alors ce jeu. Déjà, faut savoir que ce jeu est sorti sur beaucoup de plateformes. Il est sorti quand même sur, bon, PC. D'ailleurs, PC, c'est sur la plateforme qu'on est, je tiens à le préciser. Il est sorti sur PS3, Xbox 360, Wii U, Wii, Nintendo 3DS, Nintendo DS, iPhone, iPod Touch, iPad, Android et même Game Boy, si j'ai bien compris. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Comme... Les précédents, et comme d'habitude, c'est édité par Activision, développé par Binox Studio. C'est un type action, bien évidemment. Et c'est sorti en France le 10 août 2012, donc ça date un petit peu maintenant. Mais vous allez voir que c'est... Enfin, moi, personnellement, il m'a bluffé ce jeu. Il m'a bluffé, j'y ai joué ben, récemment. Et on est en 2013. Et heureusement que j'y ai joué, parce que sinon, je serais passé à côté de quelque chose. Contrairement à Spider-Man et le Règne des Ombres. Il est déconseillé pour les moins de 16 ans. Je trouve ça un peu quand même abusé pour un jeu Spider-Man, personnellement. 16 ans, faut peut-être pas abuser non plus. Personnellement, le jeu, vous pouvez le trouver à un prix très raisonnable, environ 30 euros. Moi, je l'ai payé environ 36 euros. Bon, là, on est sur PC, hein, donc... dans cette vidéo, bah, je vais vous donner mon avis... sur le jeu et puis ça sera un peu aussi une genre de vidéo test puisque je vais quand même dire je vais présenter quand même en gros le jeu. Alors donc là déjà on est dans le menu. Bon là je peux mettre continuer puisqu'effectivement j'ai fait l'histoire hein, j'ai fini le jeu donc je me permets de vous faire une vidéo où j'en parle bien comme il faut. Sinon vous auriez que nouvelle partie, vous auriez pas continué si vous venez d'y jouer, ça paraît assez logique. Donc voilà, bon, continuer, nouvelle partie. Au niveau des paramètres, donc, au niveau du jeu, vous pouvez choisir le mode de difficulté, sachant qu'il y en a 3. Donc après, à vous de voir, hein, soit humain, soit héros, soit super-héros. Vous choisissez. Ensuite, l'orientation de la carte, curseur charge-toile, marqueur, régler la luminosité. Ensuite, pareil pour le son, vous pouvez régler le son de enfin, la musique. Les effets sonores, la voix et mettre les sous-titres, ce que je n'ai pas mis pour ma part quand j'ai fait le jeu. Ensuite, vous avez la commande, donc modèle de commande. Oui, je tiens à préciser justement à ce sujet que je joue avec ma manette Xbox 360 et non pas avec le clavier et la souris. Vous pouvez. C'est un jeu, ça fait partie de ces jeux où vous avez le choix entre clavier-souris et la manette. Moi personnellement, comme je suis un joueur Xbox à la base, forcément, j'opte pour la manette Xbox. Ensuite, vous pouvez bien évidemment modifier la sensibilité de la souris ou du joystick, hein. Inverser les caméras, ce que je ne ferai jamais dans les jeux, mais bon, c'est pas grave. Et mettre les vibrations, bon, je les ai mis, c'est pas obligatoire. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle ben, les bonus, et ce sont ce qu'on appelle des biographies, donc vous pouvez voir qu'il y en a que je n'ai pas débloqué. Donc là, ici, c'est des biographies sur les personnages que vous rencontrez. Vous avez à votre gauche une petite figurine, une petite image du personnage, et à la droite, vous pouvez voir un petit texte présentant ce personnage. Donc là, c'est la présentation de Spider-Man, donc de Peter Parker alias Spider-Man, et...
Ben là, ça raconte un peu l'histoire. Ça raconte un peu l'histoire, donc ça présente le personnage. Donc pareil pour le docteur Kurt Connors, hein, qui sera un personnage clé dans l'histoire. De toute façon, toutes les personnes présentes ici dans cette section biographie, vous les rencontrerez dans le jeu. Donc là, rien que déjà à ce niveau-là, je vous spoil le jeu. Donc je vous conseille d'arrêter tout de suite la vidéo si vous voulez faire le jeu. Mais si vous voulez découvrir le jeu à travers ma vidéo, en savoir plus sur ce jeu et que vous n'avez pas les moyens de l'acheter, ou si vous vous en foutez et que vous voulez juste regarder la vidéo, bah faites-le. Ça me fera grandement plaisir, bien évidemment. Donc voilà, plein de descriptions, biographies. Ensuite, vous avez les pages de comics. Alors les pages de comics, ce sont les quêtes secondaires que vous avez à faire dans le jeu, donc c'est-à-dire dans la ville, oui, parce que vous allez voir qu'on a une liberté impressionnante dans le jeu. Et donc vous avez à ramasser des pages de comics. Voilà, comme ça. Et puis vous en avez plein d'autres, hein. Vous en avez beaucoup, beaucoup. Attendez, je reviens. Ensuite, vous avez les galeries de croquis, hein, des petites images d'endroits où vous êtes passé au cours du jeu. Des endroits clés. Bref, plein de petites images. Ensuite, vous avez la galerie des photos, puisqu'effectivement, au cours du jeu, vous allez rencontrer Whitney Chang. Bon, ça, je vous expliquerai tout à l'heure. Et en gros, c'est une photographe, et elle va vous demander de faire des photos précises à chaque fois. Enfin, bref. Et là, donc, là, c'est mes photos que j'ai faites avec mon appareil photo, puisque vous savez qu'à la base, Peter Parker est un photographe pour le Daily Bugle. Mais bon, le Daily Bugle, on n'en parle pas trop dans ce volet. Ensuite, là, c'est les crédits. Bon, le crédit, hein, comme d'hab. Crédit, c'est assez basique. Donc, on va tout de suite continuer. Mais on va reprendre tout bêtement ma partie. Vous pouvez voir, donc, il y a 13 chapitres. Vous pouvez le voir en haut à gauche. Celui-ci se prénomme Peter et Gwen. Là, on a les chargements avec des petits didacticiels qui sont donnés. Et des petits messages que vous pouvez voir, un genre de chat à droite de personnes. Donc ce sont les civils de la ville, sachant que la ville où on se trouve, c'est Manhattan. Et puis voilà, vous pouvez voir qu'également, en dessous de chapitre 13, vous pouvez voir un petit texte qui explique la situation actuelle. Donc la ville est sauvée du virus mutant. Bon, ça c'est l'histoire, hein. Quelques personnes sont encore contaminées, mais notre super-héros préféré est là pour leur venir en aide. Les chargements sont plutôt, je trouve, c'est le seul défaut que je pourrais reprocher dans ce jeu, et oui, c'est le seul, je trouve, principal, c'est que les chargements sont un peu longs des fois, c'est un petit peu dommage. Bref, on va commencer. Et donc là, tout de suite, vous allez rien comprendre, puisque là, j'ai fini le jeu. Effectivement, il y a 13 chapitres. Alors là, vous pouvez voir que c'est ce qu'on appelle le menu du jeu, enfin, le menu du jeu. On va dire le menu... Ouais, avant d'attaquer vraiment, quoi. Donc, là, on est dans notre appartement, l'appartement de Peter. Enfin, non, c'est pas l'appartement de Peter, c'est l'appartement de Stan, un ami à lui, qui lui a passé et qui va avoir nombre de problèmes, cet appartement, au cours de l'aventure. Vous verrez ça par vous-même si vous y jouez. Et ben, vous allez dire, qui c'est cette fille en face? Ben, c'est Gwen Stacy, un très connu dans la série Spider-Man. Dont Peter Parker est très amoureux et qui aura un rôle très important dans l'aventure. Donc, vous pouvez voir que là, c'est un système d'interaction où on tourne le visage, où il regarde des directions différentes, et chaque direction a un but très particulier. La ville s'en remettra. Moi, il me faudra un peu plus de temps. Voilà, donc là, elle vient de parler. Commentaire inutile. Il faut savoir que chaque regard que fait Spider-Man, ça a un but, sachant que ce but-là, quand il regarde Gwen, n'a aucun but à part la faire parler inutilement, regardez. Nous pensions que Connors avait détruit ce qui restait de son sérum, mais c'est logique qu'il ne l'ait pas fait. Pourquoi l'aurait-il détruit quand il était sous son influence? Et quand aurait-il pu le faire après son arrestation? J'ai fait en sorte qu'il ne puisse plus jamais l'utiliser. Enfin, là c'était plus utile que d'habitude, parce que d'habitude, elle fait des commentaires vraiment inutiles... Comme Curtis Connors quand il sera dans notre appart au cours de l'histoire, mais ça vous comprendrez plus tard. Tu vas prendre un peu de temps pour toi? Alors, non, pas tout de suite, parce que là je suis en vidéo, je crois que t'as pas capté. Donc là, on a, là c'est notre,
notre garde-robe, de nos déguisements. Donc là, faut savoir que j'en ai que 3, mais il y en a d'autres. Malheureusement, je les ai pas tous débloqués, je pourrais pas tous vous les montrer. Tant mieux, ça vous laisse la surprise. Donc là, c'est les costumes basiques. Et là, nous avons le costume noir, le fameux costume noir. Je pense que tout le monde le connaît. On va pas attaquer tout de suite avec celui-là. Là, donc là, c'est pour faire les petites interactions avec les personnes qui se trouvent ici. Donc là, ici, c'est Gwen. Ici, ce petit tableau qui montre plusieurs cartes, c'est pour rejouer nos missions. Donc là, vous pouvez voir que ça, c'était le chapitre 1. Le chapitre 2, tout ça. Ouais. Voilà, ça, c'est tous les chapitres du jeu. Puis vous avez des statistiques particulières, c'est pour recommencer les missions. Ensuite, là, vous pouvez sortir de votre appartement pour enfin être libre dans la ville. Dans la ville. Donc là, vous n'avez plus qu'à rejoindre la ville. Et T'es là, sûr que c'est la vie que tu veux? Sauver le monde, tout ça? ouais, ça m'intéresse bien. Cette ville-là, pour l'instant, elle me plaît. Donc écoute, ça me regarde. Donc là, il nous demande de choisir le moment de la journée. Alors ça, faut savoir une chose, c'est que quand vous faites le jeu, tant que vous n'aurez pas fini le jeu, vous n'aurez pas accès à ça quand vous sortirez de votre appartement. Il n'y a que quand vous l'avez fini. Donc vous avez le choix entre jour, ciel de cendre. Donc ça correspond à l'histoire, puisque dans l'histoire, effectivement, à la fin du jeu, c'est vraiment le chaos dans Manhattan. L'aube, nuit, crépuscule, temps couvert, soirée. Donc on va mettre nous jour. Et on est parti. Donc là, j'utilise ce déguisement. Je pense que je reviendrai dans l'appart pour prendre l'autre déguisement. Toujours les petits chargements. Et donc, pour parler un peu du jeu. Alors, je pense que vous avez tous, enfin pas tous, mais le dernier Spider-Man en date qui est sorti en film, donc The Amazing Spider-Man, qui porte le même nom. Le jeu n'est le jeu donc que je suis en train de faire en vidéo. Il n'est pas tiré du film. En fait, et on en a la preuve, et je pense que c'est ça, hein, c'est exactement ça, le jeu, en fait, c'est la suite du film. Donc pour ceux qui ont vu le film, le dernier en date, donc c'est The Amazing Spider-Man, qui est sorti il n'y a pas super longtemps. Donc voilà, là ça y est, on est dehors, et vous pouvez voir que c'est quand même assez impressionnant au niveau de la caméra, au niveau de la liberté, des graphismes. Mais bon, ça, on y reviendra tout à l'heure. Donc comme je disais, le film, le dernier en date, Spider-Man. Je garde ça. Voilà, une petite page de comics. Attendez, par contre, je vais baisser le son parce que j'ai peur qu'on m'entende pas. Donc le dernier film en date de Spider-Man, donc c'est The Amazing Spider-Man. Et pour ceux qui l'ont vu, vous savez que dans le film, principalement, donc le méchant, c'est donc le lézard, Curtis Connors, qui va donc merder au niveau des transferts, je sais pas quoi, animaux humains là, puisque effectivement dans le film, Peter Parker lui donne une équation. Malheureusement, ben. Les petits commentaires comme ça, là, le mec il est content. Malheureusement, dans le film, Curtis Connors travaille sur un sérum. Pour Norman Osborn qui a perdu un membre, je crois, et du coup il faut qu'il se dépêche de finir ce sérum. Et attends que je suis là. Et apparemment c'est pas facile de jouer et en même temps expliquer. Et donc il doit faire un sérum dans le film. Et le mec qui travaille pour Osborn veut qu'il se dépêche parce qu'on ne peut plus attendre. Il faut que le sérum soit testé sur les humains, puisqu'effectivement chez la souris ça marche, mais il faut se dépêcher de le faire chez les humains. Et donc Curtis Connors, comme lui il lui manque un bras, hein, comme vous savez, faire un bout de bras, et bien il va se le faire sur lui. Malheureusement ça va planter. Au début ça, on croit que ça marche, et en fait ben, ça plante, il devient un lézard. Et puis voilà, faut savoir que si le sérum il a marché dans le film, c'est surtout grâce à Peter Parker qui lui a donc passé une équation. Seulement comme ça a planté, ben j'ai oublié de faire une photo, voilà, non? c'est un peu la merde. Et donc, du coup, Peter Parker veut arrêter le lézard, puisque c'est lui qui a créé la chose, donc voilà quoi. Et bon, mais après, je vous raconte pas toute l'histoire du film, mais en gros, c'est ça. Le plus important à savoir, c'est que le lézard est le méchant principal, hein, donc dans le film. Le prix a augmenté, mais
Et en fait, le jeu, donc l'histoire donc de The Amazing Spider-Man, le jeu, c'est en fait la suite, puisqu'effectivement, dans le film, le méchant principal c'est le lézard, sauf que là dans le jeu, dès le début du jeu, le lézard est déjà en prison. Et en fait, on attaque le jeu, on est à Oscorp, et il va y avoir un problème en fait. Des robots ont été créés donc par... comment ça s'appelle? Comment il s'appelle? Le méchant là. Le méchant principal. Comment il s'appelle dans The Amazing Spider-Man? Smice. Dr. Smice. Enfin le mec quoi. Il s'appelle Smice. Et en gros il a créé des robots. Voilà comme ça là. Des robots comme ça. Et en gros ces robots détectent les mutants. Et le problème c'est que comme Peter Parker s'est introduit... Enfin... Oui, comme il s'est introduit dans Oscorp, et eh bien à un moment il va être en contact avec... Je sais pas, non, mais c'est pas un robot en fait, c'était un mutant avec lequel il est en contact. Bref, il va reconnaître que Spider-Man est un mutant, et ils vont s'évader, donc les bestioles vont s'évader, les mutants, et en fait après ben, ça va foutre un peu le chaos, puisqu'il y a des mutants qui vont être hors dehors, et en gros le docteur Smice... Il veut créer des robots qui détruisent les mutants. Donc en gros c'est un peu la merde entre la guerre entre les robots et les mutants. Et en fait ce qu'il y a de drôle c'est que dans le jeu, ben, Spider-Man libère Curtis Connors de la prison pour qu'il aide à faire un remède. Et c'est ce qu'ils vont faire. Alors au début le remède marche pas. Et puis bon voilà. Donc il y a Gwen Stacy également qui est prisonnière à Oscorp, enfin bon bref, après l'histoire c'est vraiment une histoire qui m'a bluffé, je pense, en fait, je pensais pas du tout que le jeu allait être pourri, parce que bon, mais voilà, j'ai toujours été bluffé par les Spider-Man, à part un ou deux, mais là, ça m'a vraiment bluffé dans tous les sens du terme, ce jeu m'a vraiment ébloui, alors c'est sûr qu'au début, moi je pensais que ça allait reprendre exactement le film, mais pas du tout, en fait, ça c'est la suite du film en fait, voilà, c'est la suite du film, et Curtis Connors donc va nous aider dans le jeu à créer un sérum, seulement bon à la fin il va se transformer totalement en crocodile et on va devoir le battre un peu, puis bon voilà, bon après vous découvrirez le jeu par vous même mais honnêtement voilà, il y a 13 chapitres, si vous vous y mettez à fond vous pouvez finir le jeu en 7-8 heures, je trouve que la durée de jeu est juste ce qu'il faut comme d'habitude, si je me souviens bien. Et puis voilà quoi, c'est tout. mais sinon c'est vraiment un très bon jeu. Niveau histoire, j'ai pas été déçu. Au début j'ai eu peur que ce soit un peu du bâclé, mais en fait pas du tout. Après il y a vraiment un très bon suivi, tout est cohérent, etc. Donc vraiment l'histoire est vraiment intéressante. Donc je vous conseille vraiment ce jeu si vous voulez vous faire plaisir. Il est vraiment bien. Il est vraiment bien niveau histoire. Ensuite niveau gameplay, moi comme j'ai joué avec la manette, très vite je m'y suis mis. On peut faire beaucoup de choses, le gameplay est assez diversifié. En appuyant sur RB quand vous avez la manette Xbox, vous pouvez vous déplacer très rapidement d'un objet à l'autre. Vous voyez, vous pouvez aller d'un endroit à l'autre. Vous pouvez bien sûr tisser votre toile avec RT. Et puis faire plein de choses, les combats, il y a des combos, également au cours du jeu le déguisement se déchire, donc il y a beaucoup de similitudes avec Batman, les Batman Arkham Asylum et tout ça, enfin Arkham City. Alors après je sais pas si ça a été fait exprès mais j'ai fait le rapprochement. Mais les graphismes, vous pouvez voir que c'est vraiment exceptionnel, bon là on est sur PC, j'ai tout mis à fond bien évidemment, et je tourne en 60 FPS avec Fraps, donc forcément je me fais plaisir. Donc vraiment niveau gameplay et graphisme c'est vraiment exceptionnel, le costume est très bien fait, la modélisation est tout simplement parfaite, les effets de lumière, pff, chapeau, bravo. Donc là pour le coup Activision se sont vraiment bien démerdés, on peut faire des combos avec les toiles, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans ce jeu, il y a vraiment, ils ont vraiment bien réussi dans tous les domaines, la bande son est super. Il y a des musiques, il y a des petites interactions avec les personnages. Bon, ça manque peut-être un petit peu d'originalité au niveau par rapport aux autres. Comment m'expliquer? Par rapport aux autres. Aux autres opus. Cette fois-ci, Spider-Man, je le trouve un petit peu moins.
marrant que d'autres fois, parce que vous savez qu'il joue beaucoup sur l'humour, il est un peu comme Flash, et il fait un peu d'humour, mais il est pas non plus extraordinaire. Donc à ce niveau-là, la bande-son n'est pas non plus extraordinaire, mais vous pouvez voir que la musique est vraiment bien. Et ce qui m'a surtout, mais surtout plu, et c'est surtout ça que attendent les fans des Spider-Man, c'est surtout la liberté dans la ville, pour voir avoir accès à la ville. Et vraiment, ce qui est énorme, c'est qu'on a des interactions avec les passants, regardez. Enfin, tout est terminé. J'ai besoin de vacances. Bon, là, ils ont pas beaucoup interagi. Attendez. La grosse pomme n'est pas complètement pourrie. Ouais, bon, bref. Enfin, vous pouvez rencontrer des fois des fans. Donc des fans qui portent vos masques, des gens qui vous prennent en photo, enfin c'est vraiment énorme. Ensuite, donc là pour cette vidéo, vu que c'est une vidéo un peu test où j'explique mon avis sur ce jeu, je vais pas vous faire de mission, mais on va faire des quêtes secondaires. Alors déjà, quand vous appuyez sur Start, bon, sur Start rien d'extraordinaire comme d'hab, mais par contre quand vous appuyez sur Select, vous avez droit à la carte, donc à la carte de Manhattan. Donc vous pouvez voir la carte, c'est tout ça. Et donc là, c'est la section carte. Ensuite, vous avez la section email où vous recevez des emails. Donc là, ici, donc là, c'est Whitney Chang que vous rencontrerez au cours de l'histoire. Ensuite, vous avez des emails de Tante, mais vous avez des emails de vraiment tout le monde. Stacy, Oscorp et Tante May. Donc vraiment, vous avez des emails de tout le monde, des emails à consulter au cours du jeu. Ensuite, vous avez les améliorations de personnages, donc je les ai pas toutes faites, vous pouvez voir qu'il m'en manque encore. Des améliorations que vous débloquerez au fur et à mesure du jeu avec les combats, etc. Ensuite, vous avez des améliorations, sauf que cette fois-ci, ce n'est plus des améliorations de personnages, mais tech, des améliorations tech, donc c'est-à-dire pas au niveau de votre personnage, mais plutôt au niveau de votre capacité, par exemple pour les toiles, les combos, etc. Donc c'est plutôt pas mal, enfin, les améliorations de votre personnage, c'est plutôt les combos, et tech, c'est plutôt tout ce qui est toiles, etc. Ensuite, vous avez les statistiques de jeu, donc voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de diversité au niveau des statistiques également. Et donc, au niveau de la carte, ben, on va faire un peu de tout, vous allez voir. On va commencer, alors, comme dans le film, dans le jeu, excusez-moi, dans le jeu, comme il y a eu un problème au niveau de Oscorp, il y a eu des mutants qui sont échappés, mais après ça va être le chaos dans Manhattan. Il va y avoir plein de gens infectés. Gwen Stacy va être bloquée à Oscorp et elle va avoir un problème de contamination aussi. Et donc, partout dans la ville, il y a des gens à sauver qui sont en train de se transformer. Ils sont infectés. Donc c'est symbolisé par ce symbole-là, rouge avec un petit perso blanc. Donc c'est des gens à sauver et à les amener à l'hôpital parce qu'ils sont contaminés. Voilà, c'est expliqué à droite. Ensuite, vous avez... ça c'est les patients de l'asile en cavale. Donc, c'est en fait, il faut amener les patients au commissariat. Ensuite, vous avez relevé le défi de reporter extrême. Bon, ça c'est bizarre, il faut prendre des photos, j'ai pas tout compris. Donc là, c'est notre planque. Ensuite, vous avez aussi des trucs avec l'hélico. Neutraliser les criminels et trouver une solution. Donc... voilà, on neutralise les criminels à partir d'hélico, mais aussi à partir de la terre, à partir des polices en voiture. Et vous avez également à prendre des photos, c'est ce que je vous avais dit, quand Whitney Chang nous demande de faire des photos à travers toute la ville avec des objectifs particuliers. Là, on découvre ce qui se passe dans les égouts, enfin bref, il y a vraiment une grande diversité. Et il y a également, bien évidemment... les infractions mineures, c'est-à-dire quand des civils se font attaquer par des voyous. Donc on va aller voir ça, tout ça. Et puis il y a aussi les laboratoires secrets d'Obscorp à aller visiter. Enfin, à aller espionner. Donc tout ça, ce sont des quêtes secondaires, ce sont des quêtes à faire à côté du jeu...
à côté de l'histoire principale. Ah, intéressant. Et donc on va aller ramasser par exemple une personne infectée. Donc regardez ce que ça fait, hein. Voilà, il y en a une là-bas. Quelle journée! Non, ne partez pas. Je viens en paix. Vous êtes une bénédiction. Voilà, vous avez entendu, elle a dit vous êtes une bénédiction, donc il y a beaucoup de points positifs. Mince, qu'est-ce que je voulais dire? Je peux pas arrêter maintenant. Donc du coup, d'autres. Oh, je suis si contente. Quand vous faites des bonnes actions comme ça, ben ça vous donne une bonne image, parce qu'il faut savoir que durant le jeu, vous allez avoir pas forcément une bonne image. Du moins à un certain moment, les gens perdent espoir et ont plus confiance en Spider-Man. Enfin bref, comme d'habitude quoi. Souvent dans les Spider-Man, il y a toujours un passage à vide. Donc vous pouvez voir qu'il y a vraiment une interaction. Reculez, messieurs, dames, pour votre sécurité, reculez. Laissez-moi vous aider. Vous pouvez voir qu'il y a vraiment, une interaction avec les patients, la ville, etc. Donc c'est vraiment impressionnant, cet esprit de liberté. Prenez soin de vous, d'accord ? La terre ferme. Oh, merci. Bon, par contre, vous voyez, il a dit la même chose que la femme, donc c'était pas très diversifié à ce niveau-là. Mais vraiment, ce jeu est vraiment impressionnant. Moi, il m'a bluffé. C'est souvent les jeux qu'on croit qui sont les plus nuls, parce que là je vous vois déjà, il y en a certains, ils se diraient ouais, mais tu joues à Spider-Man, mais t'es un gamin et tout. Mais c'est même plus ça quoi, parce qu'à une époque c'est vrai que c'était à cet esprit là, enfin voilà, on jouait parce que c'était Spider-Man, mais là c'est vraiment la beauté du jeu, prendre plaisir de revivre ça, parce que c'est vraiment l'enfance. Mais là quand on voit comment c'est bien fait, mais c'est énorme. Donc là je vais aller arrêter un malfrat qui embête un civil. Et après, je vais aller changer le déguisement. J'irai changer le déguisement. Ne me faites pas de mal, je ferai ce que vous voulez. Donc, quelques bijoux. Il est là, c'est le moment. Vous allez voir un petit peu ce que donnent les combats. Tu ferais mieux de les camper, compris ? Rentre chez toi, gamin. Laisse faire les adultes. Donc, il y a toujours un système d'enchaînement de combos, c'est-à-dire qu'il y a écrit x7, x8 et tout ça. Et ça, c'était très présent aussi dans Batman Arkham City. Et quand vous enchaînez les mecs. 33, attaque en cours, à vous. Il est temps d'intervenir. J'espère ne pas vous avoir causé trop de soucis. Un peu quand même. C'est que vous soyez encore en vie. Je dois y aller. New York a toujours su se relever après une épreuve. Mais ouais, t'as un peu raison en fait. Non mais quand vous avez les ennemis, quand vous les enchaînez, vous pouvez faire des combos au bout d'un moment, enfin vous pouvez les enchaîner à mort. Donc ça c'était aussi très présent chez Batman Arkham City. Alors mon appartement, il est où? Il faut remettre ces animaux sauvages en cage. Bah, je suis bien d'accord avec toi. Donc vous pouvez mettre aussi un système de curseur, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là vous avez reconnu, hein, c'est... Enfin, ils disent que c'est Manhattan, mais c'est New York quoi. Enfin là c'est Central Park. Vous avez compris quoi. Donc excusez-moi si je parle pas super fort, mais il est un peu tard. Je suis désolé. Hé, hey, l'araignée, j'ai quelque chose pour vous. Ah bon, c'est quoi? Une sucette? Si t'as une sucette, moi ça m'intéresse, hein. Vous allez voir que le costume noir est vraiment bien. Contrairement à Spider-Man et le Reine des Ombres, on pouvait le changer comme ça. C'est vrai que ça c'était pas mal, parce que sur le Reine des Ombres, on pouvait le changer sur demande avec un bouton, avec un bouton de la manette. Sauf que là, bah, il faut aller le chercher carrément dans l'appart. Mais bon, c'est pas grave. Mais bon, là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a vraiment une diversité au niveau des déguisements. Donc, je vais aller terminer quelques autres défis secondaires pour vous montrer. Puis, je pense que j'aurai fait le tour. C'est vraiment un jeu que je vous conseille. Même si je vous ai un peu spoilé, je vous conseille quand même de le faire. Même, ne serait-ce que par le trip de pouvoir se déplacer, d'être aussi libre dans une ville. Ne serait-ce que ça devrait énormément vous faire plaisir. Et voilà, donc c'est vrai qu'il est assez stylé. On va changer également le temps. On va mettre... moi j'ai envie de mettre soirée.
On va mettre soirée. Bon, mais de toute façon, il y a plusieurs temps qu'on peut mettre. Là, je pense qu'on va aller, on va aller chercher un patient et le ramener au commissariat. Comme ça, ce sera fait. Et donc voilà. Bon, après, à vous de voir, hein, si vous voulez le prendre sur PC ou autre plateforme. Moi, je l'ai pris sur PC, mais c'est à vous de voir. Mais comme je vous dis, le seul point négatif de ce jeu, c'est que les chargements sont quand même assez longs. Mais bon, c'est vraiment chercher le point négatif pour en trouver un. Même si c'est vrai que, regardez, vous voyez bien, là, les chargements sont quand même assez longs. Des fois, ça peut aller jusqu'à 30 secondes, c'est un peu abusé quand même. Bah, vous voyez, là, il est long, par exemple. Là, il est assez long quand même, hein. Ouais, ils sont assez longs quand même. Ok. Donc on va aller chercher un patient. Donc effectivement, comme vous avez pu voir, je peux choisir entre jour, soirée, etc. Mais si je peux choisir entre jour, soirée et tout ça, c'est parce qu'en fait le temps ne passe pas dans le jeu. C'est-à-dire qu'on passe pas. On passe pas de nuit à jour ou de jour à nuit, etc. Donc voilà. Hey, regardez-moi ça. Ok, donc là on est en plein dans Manhattan, Times Square, centre. Grâce à vous, hey, tout le monde est sauvé. Quand avez-vous compris que vous pouviez parler dans votre tête? Vous voilà. C'est si intense que je pourrais pleurer. D'accord. Il y a des gens bizarres comme ça. Oh, je l'ai complètement foiré. C'est vous qui m'avez fait sortir. Pourquoi vous me ramenez? C'est la dernière fois que j'organise une évasion dans un asile. Ok, ok. C'était... ouais. Ça ne suffira pas à vous racheter, Spider-Man. Je dois réparer mes erreurs. Voilà. Ah, elle m'en veut, elle. Oh, ok. Quoi, je l'ai loupé? Quoi, mais pourquoi je le loupe? Mais j'ai appuyé sur Y direct. On sait quoi, Osef. Bon, t'es où? Non, non, me dis pas que t'es en haut. Putain, mais il est où? J'ai souhaité être exactement. J'ai toujours aimé lire. Je suis maintenant, et mon vœu a été exaucé. Putain, le mec, il veut se suicider ou quoi? J'ai jamais aimé le goût de la neige, alors que j'adore le melon. Y a une chambre qui vous attend à l'asile, monsieur. Vous comptez prendre de la hauteur pour mieux me lâcher dans le vide? C'est ça, hein? Non, pas du tout. Non, je ne sais pas combien de temps je vais supporter ça. S'il vous plaît, il faut vous calmer maintenant. Mon doux foyer. Mais non, je déteste cet endroit. Merci pour votre aide. Filez, avant que je vous arrête. Ouais. Et tout ça, c'est entièrement ma faute, alors... Putain, les policiers, même pas, hein, je crois que vous l'avez compris. Alors, on va essayer de faire un truc avec les hélicos. Attendez, on va voir ce que c'est. Hein. Coup de feu devant un bazar. Envoyez des renforts, à vous. Je dois arrêter ça avant que quelqu'un soit tué. D'accord. Tu veux la guerre? Dans la guerre! Vous êtes cernés! J'adore faire ça! Oui, ils sont pas gentils, eux. Voilà enfin un défi à la hauteur de Spider-Man. Où est-ce que t'as appris à viser? Génial! Je suis dans la merde. Je suis mort. Ah, je suis mort.
Voilà ce que ça fait quand on meurt. Donc en fait, j'ai pris la mission juste pour vous montrer comment on meurt. C'était fait exprès, hein, je vous le rassure. Bon, de toute façon, on va pas tarder à rester à se laisser là-dessus. Vous découvrirez par vous-même, hein, les quêtes secondaires. Bonjour New York. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Moi, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Pensez à laisser un petit j'aime, parce que les j'aime, c'est super important, ne serait-ce que pour ma propre satisfaction et le sentiment que j'ai pas fait cette vidéo pour rien non plus, même si la passion y est. Pensez au partage, hein, si vous pouvez. Le petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous incite vraiment, mais vraiment, à l'essayer au moins. Et sinon, moi, je vous dis ben, ciao tout le monde et puis à la prochaine. Ciao. Il n'existe pas de petit délit.